C'est mieux qu'on récupère. Reculons, non ? Reculons, mais vous avancez. Reculons, mais vous ne reculez pas. C'est vous qui êtes reculé. Mais il faut coordonner les choses pour qu'on puisse en poser une question. Ce ne sont pas des choses. On attend que la délégation arrive. Non, Eric, tu as combien de questions ? Une seule question, il va dévoiler. Une seule question. Mais là, il faut changer. Hein. Non, c'est-à-dire. Ça fera des ordres. Ça sera les désordres. Maman, allez bien. Et tu me laisses poser ma question. Pardon ? Eric, tu peux demander aux autres. J'ai une question par rapport à la femme. Ah, oui. Sans problème. Maman, on est nombreux. Tu vois que c'est résumé, oui. Profitez-en pour prendre les images. Allez-nous. Profitez-en pour prendre les images. C'est bon ? Bon, c'est bon ? Pas encore, tu attends. Ok. Chers amis, profitez-en pour prendre les images. Merci. Mon frère, là ta masque là. Oui, maman. Oui, c'est bon. Et vous les appelez, ouais, papa, on a mangé. Ah. Il est là. Est-ce que vous là-bas, est-ce que vous assurez que tout le monde sera ici? Non, que les autres retirent, Demandez au caméraman de faire des plans de coupe, ils vont insérer pendant que... Bon, c'est bon, je ne peux pas. Allons-y. Alors, professeur. Observe le calme d'abord. Peut-on observer un calme? On y va, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Professeur, on vous a vu conduire une flopée de têtes couronnées de lettres DCA auprès du Premier ministre Jean-Michel Samba-Koundé. Peut-on avoir une idée de ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que l'FDCA attend du prochain gouvernement qui arrive? Merci beaucoup à la délégation de l'FDC alliée qui comprend le chef des partis politiques, qui comprend
les députés nationaux et les sénateurs et quelques cadres, a tenu aujourd'hui à répondre à l'invitation de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a tenu à nous brosser le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Au cours de cet entretien, Son Excellence Monsieur le Premier ministre nous a donné les critériums et il nous a donné les axes principaux qui vont constituer le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures au poste des membres du gouvernement. Et là, il a été très clair en disant qu'il faudrait tenir compte des critères de moralité, d'intérêt.